Simbazaz, projet de destitution du bureau permanent. Après l'échec, ou du moins la suspension de la procédure de motion de censure contre le gouvernement Mafal Soulnada Sanolivier, l'on parle désormais de destitution du bureau permanent de l'Assemblée nationale à l'hémicycle de Tsimbazaz. Selon les indiscrétions, certains députés ont demandé à ce qu'un vote de confiance des membres du bureau permanent soit tenu. Ces derniers dénoncent l'incapacité du bureau permanent à défendre les intérêts des parlementaires. Ils remettent sur le tapis leur droit à des voitures 4x4 que le bureau permanent n'a pas pu obtenir de l'exécutif. C'est l'intérêt de la majorité qui devrait primer et non celui d'une poignée d'individus, dénonce un député qui s'est exprimé sous couvert de l'anonymat. Mais d'autres voix s'élèvent à l'Assemblée nationale pour dénoncer un projet de destitution injuste et inopportun. La séance plénière de demain s'annonce houleuse.